répondit avec nous. On m'a dit au cap 15 jours, on va penser avec l'amour du puissant, du roi saint, nous bénissons, nous adorons, nous exaltons, Seigneur. Merci de ce que matin encore, nous sommes capables là, d'aller plus, pour nous capables de communiquer par l'eau à travers l'école du dimanche. Une personne qui est déjà réunie dans l'assemblée, là. C'est-à-dire mon Père Saint qui est vraiment dans une conférence Facebook, assister nous ou bien sur YouTube. Demandez au Père Saint qui se respire avec nous, grâce au qui est bonté au miséricorde avec nos Père Saint. Nous réclamons la présence de Saint-Esprit pour vraiment aider nous à comprendre mieux. Donc ça, c'est-à-dire mon Père Saint, et à dispenser de vraiment des sujets qui vraiment. Et thématique qui est vraiment qui important pour vraiment faire chaque monde qui n'a pas assisté avec politique machin va arriver qu'il y a compréhension vraiment personne qui va étudier pour la vie spirituelle. Nous merci Seigneur, merci de ce matin de parole là. Pas besoin de prier pour vraiment visiter nous et visiter nous qui va vraiment assister nous matin à grand culte d'adoration. Pasteur dans mon Père Saint avec Madame Ni Petiti. Famille de la mon Père Saint, nous demandons au Père Saint vraiment envoyer grâce et bénédiction pour vous, Père Saint. Merci encore, mes frères, merci. Nous assurons sous et nous comptons sur vous, Père Saint. Nous demandons au Père Saint vraiment envoyer grâce avec tout le monde qui est tout fidèle. Avec l'école du dimanche, ça, de la mon Père Saint, qui joue vraiment Père Saint. Automatiquement, que les conférences là vraiment est tranché et vous vraiment chercher moyen pour vraiment assister nos Père Saint. Nous merci, c'est temps, on va vraiment envoyer grâce. Moi, si je souhaite nous compter sur le nom de Jésus Nazareth, au nom de sang versé de Jésus, à lui seul capable de tenir la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Allez, bon Dieu avec nous. On remercie les Seigneurs de ce que matin, nous sommes vraiment ensemble avec vous. Nous venons assister avec l'école du dimanche. Matin, nous vraiment dans les leçon 10 là, qui parlait de. Un peuple inébranlable. Un peuple inébranlable. Et un peuple chrétien, un peuple bon Dieu, un peuple qui a cherché, un peuple qui a cherché, c'est un peuple inébranlable. Un peuple inébranlable a ébranlé. C'est un peuple qui est solide. C'est un peuple qui a résisté devant les difficultés, les problèmes. Qui a fait face, un peuple qui ferme pour le servir Christ, quel que soit la circonstance, quel que soit le problème qui va faire face avec lui, lui a prêté ferme. C'est un peuple qui va fléchir. Fléchir, ça veut dire que devant une situation difficile, il était solide. C'est un peuple qui va changer. Donc, quel que soit la circonstance qui fait face avec lui, lui dit l'observer mon Dieu, mais pas grand rien qui est capable vraiment faire lui changer de direction. Et l'homme parle d'ébranler, c'est faire trembler, c'est secouer, c'est faire vaciller, rendre faible. C'est-à-dire que c'est ça que nous avons dit, on peuple qui ébranlable. Dans le son, nous gagnons ce sujet là. Par la grâce de Dieu, les chrétiens peuvent endurer des épreuves extrêmement dures. Par la grâce de Dieu, les chrétiens peuvent endurer des épreuves extrêmement dures. Et au cas prendre des épreuves qui sont très dures, et au cas endurer, et lorsque ou observer mon Dieu. Lorsque nous sommes un peuple qui est disposé pour chercher mon Dieu. Et c'est une raison dans Romains chapitre 4. Et il dit où que dans Romains chapitre 5, là, et verset 4, il dit où bien que nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction
produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. La persévérance lui produit la victoire dans l'épreuve. Et victoire, ça lui produit et espérance. Donc, ça veut dire que lorsque vous observez mon Dieu, vous devez vraiment persévérer. Quelle que soit la circonstance, pour gagner la victoire, il faut persévérer. Et lorsque vous persévérez, vous va gagner espérance. Espérance, où c'est la vie éternelle. Dans la leçon aujourd'hui, le concentrer sur les paroles encourageantes de Paul, de Pierre. Paroles qui encourageant que Pierre a prononcé. Pendant qu'il a exhorté les croyants de l'Église, de l'Asie mineure, qui fait face avec persécution. Mais nous parlons de l'Église de l'Asie mineure, nous parlons de l'Église Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Pergame, l'Église de Thyatire, l'Église de Sartre, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Ils ont fait face avec des persécutions. Mais grâce avec expérience personnelle, Pierre t'a proclamé, fait connaître que avec audace, les croyants ont souffri, hein, et ont été inébranlables dans salut, dans persévérance, ils ont recevé récompense qui était éternelle. Et lorsque vous êtes ferme et inébranlable devant le Seigneur, vous va joindre récompense. Et le cap vraiment également, un témoignage pour ceux qui dans Christ là, ceux qui cherchent Christ là, ceux qui a été souffri avec Christ. Et parole ça yo, yo vienne comme yon opportunité avec l'église ça yo, qui nous parlait de l'église de l'Asie mineure yo, pour te vraiment et manière pour vraiment rester avec espérance et sécurité que au gain dans Seigneur. Et tout ça que qui était vraiment dans Christ yo, yo te vinn vraiment gagner la gloire éternelle parce que Christ li te vini avec la gloire éternelle et au même tout lorsque on souffrit avec Christ ou a vinn vraiment gagner bénéficier comme récompense ou la gloire éternelle. C'est un moyen pour chrétiens qui dans Christ yo, yo toujours vraiment resté dans la grâce et pour être dans la grâce et chrétiens yo a toujours vraiment et passé et au moment pour endurer épreuve à cause foi que yo gagne dans Jésus. Donc lorsqu'on gagne foi en Jésus, lorsqu'on subit épreuve dans Jésus, lorsque vous avez une foi qui est inébranlable, et vous avez vraiment gagné, et foi où, vous avez vraiment gagné, mais on savait foi que vous avez dans Jésus, et vous avez vraiment gagné, récompense la vie éternelle. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, dans le texte d'Oa, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnerez lui-même, vous affermirez, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc ça veut dire que lorsque chrétien librement dans Jésus-Christ, il va joindre la gloire éternelle. Mais souffrance qu'il a gagné, c'est pour un petit temps. Il a duré. Souffrance là pas prêté pour tout temps. Mais souffrance là a fait lui venir perfectionner dans Jésus-Christ et la vienne affermir d'abord davantage en Jésus et la vienne fortifier lui et la vienne rendre inébranlable. Donc c'est ça que nous-mêmes nous devons connaître. Donc il y a trois points dans la leçon. Premier point, c'est défendre la parole. Défendre la parole. Si on va défendre la parole, ou qu'on défendre la parole, lorsque on parle devant un monde, on a
idée contraire de la parole de Dieu, l'a dit toute bagaille qui mal aux en Dieu, mais ou prêt pour cap défendre l'évangile là, pour faire mon nom connaître que qui ça l'évangile là y est. Donc moi-même avec vous, nous devons défendre l'évangile là, quelle que soit circonstance qui en face nous, quelle que soit situation qui nous a trouvé nous, nous devons défendre l'évangile là. Et nous capables de nous compte que les chrétiens de l'Asie mineure, dans cette église ça que nous parlons de, donc l'église que nous tenons dans l'Apocalypse là, donc ils ont fait face avec des difficultés, ils ont fait face avec des problèmes dans la vie. Et regardez dans tout chrétien yo, c'est de mon vie qui était vraiment paraît difficile. Il y a un pile qui te prend prison. Il y a un pile qui a été décapité. Nous avons pris exemple Étienne. Nous avons pris exemple Jacques. Nous avons pris exemple l'apôtre Paul qui prend pile martyr, qui prend pile prison, qui prend pile coup de fret. Et nous avons pris Jean lui-même, c'est. Lui t'est arrivé prendre l'huile qui t'est bouillie, l'huile chaude, vider sous lui. Imaginez-vous. Que souffrance ça yo, que la prend, c'est à cause de l'évent, de l'évangile. Donc, tout chrétien yo, donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, yo t'est souffri à cause de l'évent, de l'évangile. Et donc ça que l'apôtre Pierre lui pensait que l'injuste pour le monde souffrir parce que l'a fait bien. L'aime contrer avec le monde m'a pas l'évangile m'a prêché l'évangile lui humilier moi, lui jouer moi. Mais c'est un bien m'a fait pour lui. Parce que me voulait retirer l'empêché. Le retirer la ma condamnation péché pour me inviter lui accepter Jésus pour gagner la vie éternelle. C'est un bien que me fait pour lui. Mais Pierre dit comme ça que lui injuste pour un monde qui fait bien mais le recevoir mal. Et il faut qu'on ait que identification avec l'homme qui a identifié la Jésus, lui joue le mal. Et changement de comportement grâce avec la foi en Jésus, les cas entraînent persécution. C'est-à-dire que lorsque mon lui accepte Jésus, lui joue une persécution. On nous prend par exemple, ou Kalaka et où? Puisque la caillou ou accepter Jésus, eh bien, moun la caillou maman ou papa ou, li méprisé ou, li joué ou, li vle abandonné ou, parce que ou accepter Jésus. Mais la Bible dit comme ça que si on moun quitte maman n'a pas parlé, à cause de moi-même, li va jouer dans pile bénédiction. Et nous jouons dans pile disciple. T'es arrivé, qui t'es parent yo, qui t'es famille yo, parce que Pierre t'a dit ça que, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Il a suivi vous. Ça l'a vu dans le retour. Il dit, si là, qui quitte maman, papa, qui quitte toute salle possédée, à cause de moi-même, récompense ni à grand dans le ciel là. Nous avons pris un autre monde encore, ou qu'il y a Marou, qui n'a pas là. Li pas accepté prier. Li pas accepté servir bon Dieu. Mais malgré toutes circonstances ça yo, ou décidé ou pour servir bon Dieu, ou décidé pour adorer bon Dieu. Et là ça, lorsque ou adorer bon Dieu et ou malgré tout bagage ça yo, ou dispose pour chercher bon Dieu, mais récompense ou ap grand en pile
dans le ciel là. Parce que li pa vle ki la pa vle pa prier mais ou capable prendre un petit coin ou baisser tête tout ou prier mon Dieu. Ou nous font bagaille pendant qu'on fait bon bagaille on fait a et ou adorer mon Dieu pendant qu'on travaille. Parce que ça pas empêcher ou pour servir mon Dieu. Le Seigneur lui-même l'a prend ni compte que tout sacrifice qu'on fait pour lui pour servir mon Dieu. Et laisse ça récompense ou à grande sur la terre. Dans celle-là. Et il dit ou malgré souffrance ça yo et ou a pris une pile récompense. Et si là qui persécuté parce que il a fait ça qui juste, ça qui bon, lui a vraiment une pile récompense. Et lorsque vous regardez dans 1 Pierre chapitre 3 verset 13 verset 14, il dit où? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas trop troublés. Ils sont troublés parce que vous jouez en pile persécution. Quelle que soit la circonstance, vous devez rester ferme et inébranlable dans le Seigneur. Le mot dans la langue originale du Nouveau Testament l'est également traduit par béni. L'on dit heureux, c'est un monde qui est béni. Et Matthieu chapitre 5 verset 10, les diront ça que heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Bénédiction pour ceux qui persécutés pour la justice. Pour la justice, parce que ou a fait bagay qui bon. Parce que royaume mon Dieu a li a pou li. Ou a c'est en pile bénédiction lié pour ou lorsque ou persécuté pour ou a fait bagay qui bon. Parce que royaume mon Dieu a pou ou, c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 10. Réponse chrétienne à hostilité. Parce que on te peur menace et mieux au lieu de on te peur Pierre exhorté ou croyant yo pour concentrer yo sur la révérence de Christ. La révérence de Christ ça veut dire que le respect de Christ. Lorsqu'on a révérence pour Christ, c'est lorsqu'on a respect pour Christ. Lorsque on va accepter souffrir pour Christ, lorsque on gagne on crainte pour Christ, crainte qu'on gagne pour Christ là, vraiment c'est comme si on gagne révérence pour Christ. On va mener une vie qui reflète un caractère avec conduite tout, hein? Et le regarder dans verset 15 là, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il dit où? Mais sanctifiez dans vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Prêt à vous défendre. Donc, ça dit que lorsque vous acceptez Christ, vous avez souffert avec Christ, vous arrêtez dans le cœur ou vraiment concentré ou pour vraiment accepter souffrance, même si, comme si on était douce. Et avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire que chrétien, vous devez accepter souffrance. C'est comme si souffrance était douce. Parce que vous souffrez, non, laissez le Seigneur. À cause de l'évangile, ou à accepter souffrance. Yo. Et, il y a les plus loin, ils diront ça que cette charge, c'est un appel de acte, un rappel de acte des apôtres, chapitre 4, verset 18 à 20. Qui ça le dit dans acte des apôtres, chapitre 18 à 20?
avec des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 18 à 20. Ça le dit. Ok? Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler de Jésus dans ces deux, du nom de. Regardez. Ça oui. Ok, du nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu et vous obéirez plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de qui, de ce que nous voyons, avons vu et entendu. Ça veut dire que moi, je préfère obéir à Dieu au lieu que obéir à l'homme. Donc, ça dit que l'obéir à Dieu au lieu qu'obéir à l'homme, malgré ces circonstances-là, donc, ou rester soudé avec mon Dieu. Quelle que soit la circonstance là, vous voulez rester ferme et il est prêt là-bas à Dieu. Il dit où dans page 36 là, dans le livre là, et dans. Il faut que je regarde pour moi pour si ou bien conférence là, les. Sont là-dedans. Oui. Nous regardons dans le deuxième paragraphe là, dans page 36 là. Lorsque Pierre et Jean lui ont été persécutés parce que tu es péché à propos de Jésus, serviteurs de Christ, ils ont déclaré qu'ils préféraient que ils ont obéi à Dieu plutôt que ils ont écouté avec les hommes. C'est-à-dire que préférer que moi obéir avec mon Dieu au lieu que moi écouter avec ça que les hommes disent me fait. Parce que lorsque m'obéis à l'homme, moi pas vraiment marcher avec Christ. Et lorsque obéis avec Christ, l'homme lit ou lit persécuté ou mais j'ai persécution ça, lit pas dire blond longtemps. Parce que lit dou là, Matthieu chapitre 5 verset 10 là, son bénédiction pour vous lorsque vous persécutez pour la justice. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour vous qu'il y est. Lorsque Christ, lui, vous avez persécuté, parce qu'on fait des choses qui sont bien, on fait des choses qui sont bonnes. Nous te disons ça que, au départ, lorsque vous invitez au monde à accepter Jésus, mais vous avez cherché à persécuter moi. Parce que vous dit là, accepter Jésus, eh bien, vous avez malédiction, c'est pour lui. Parce que vous avez invité lui, pour lui vraiment abandonner le péché, qui a une condamnation à lui, parce que lui va recevoir la vie éternelle lorsqu'il accepte Jésus. Donc, ça dit que, matin, nous avons besoin d'être fidèles avec bon Dieu. Nous voulons marcher droit avec le Seigneur, parce que le Seigneur, lui a en pile récompense, lui réservé ni pour moi, ni pour même qui accepte souffrir pour lui. Les chrétiens qui se contentent sur Christ pendant les dures épreuves, les en position pour défendre foi li et espérance li devant les autres. Parce que lorsque je suis un monde qui a vraiment, malgré tout ça, un monde ferme, même rete soudé avec Christ, eh bien, le monde. Il va voir que qui j'aimerais être ferme et inébranlable là devant la Christ, moun ça, il vient nous rendre compte que moi c'est un monde qui résistait devant toute bagaille. Donc ça veut dire que moi, il est facile pour moun ça
pour moi, lorsque je parle dans l'évangile, je apprends l'évangile. Parce que je suis vraiment un exemple pour lui. Je suis un exemple pour lui. La façon dont on se comporte pendant le moment difficile dirige les gens, soit les gens, vers Jésus. Façon que je suis été droit devant mon Dieu, avec mon Dieu, avec persécution, yo. Eh bien, je vais inviter l'autre monde. Par exemple, si c'est un monde qui a une persécution, dans la vie, moi, je vais appeler mon lait, je vais gagner nos amis qui viennent dans la caille, avec un lettre dans la main, ils disent ça que, mais on lettre que, yo recevoir, c'est moi qui écris lettre là, je dis là, mais c'est volé, là, mais c'est ceci. Là, mais c'est là, ça, mais c'est le bon. Et il y a un policier qui vient dans le pick-up avec gros âme dans le main. Il vient côté moi. Il y a un homme qui vient avec moi, qui me connaît. Il dit, moi, ça que. Tony, mais ça me vient. C'est vous qui écrit lui, mais ça veut écrit. Où écrit? Côté plus pour nous. Il dit, ok, pas de problème. Non, qui m'a dit ça. Même côté, vous virez aller. Même ça me fait moi-même. En direction, moi. Mal élan jeune. Mal prié. On a mené en route comme ça. Presque arrivé. Moi, j'ai une adoration. Adoration, je viens là. Je m'attendais depuis avant de rentrer l'église là. Je m'attendais les champs, chanter. Où qu'on parle, Seigneur, où qu'on parle. Où qu'on parle, Seigneur, où qu'on parle. Où t'es parlé pour la famille, les aïeux. Et moi-même, qui ça a dit pour moi. Côté m'passé, persécution encore moins. M'viré à droite, persécution à droite encore moins. Où qu'on parle pour la famille, les aïeux. Et moi-même, qui ça a dit pour moi. Même côté là, moi j'ai un sentiment de bagaille qui prend moi, qui monte dans la tête moi, moi senti moi dans la disposition pour m'adorer le Seigneur. Laissez-moi dire, lorsqu'on a mon Dieu, on servi mon Dieu, on adorer mon Dieu, quelle que soit la circonstance là, mon Dieu va jamais quitter l'ennemi, il y a une victoire sur vous. Et, c'est une petite dame qui a travaillé la caillou, la caillou, la caillou, la caillou, la caillou, la caillou. Elle dit comme ça que si m'arrive, ouais, que nous avons victoire sur le monde, ça y est, je vais accepter mon Dieu, Jésus, dans la vie. Eh bien, je dis, c'est attendez, je dis, on fait le ouais que nous avons victoire sur l'ennemi. Effectivement, avant de sortir de la caillou, il nous rend compte que nous avons victoire. Même pas, j'aime une nouvelle lire encore. Par contre, s'il t'a accepté Christ, s'il n'a pas accepté Christ. Mais c'est le bagaille. Il nous rend compte que devant épreuve difficile, ça y est, nous avons victoire. Et ça qui est plus belle là, depuis la veille, il y a une soeur qui compte faire prière maison de maison en maison. Et c'est moi-même qui fait annonce là. Il va être dans le programme pour te passer la caille. Et quand il a plus qu'à tomber, il sentit un poussé qui dit lui, passez la caille. Elle prie avec moi. Dans le dimanche après-midi. Or, lundi matin, il est arrivé. Ça veut dire que le Seigneur est en train de faire provision pour sa vie. Donc, ça veut dire que c'est une raison qui fait que lorsque le problème est venu, acceptez-le. Lorsque la souffrance est venue, acceptez-le. Comme si elle était douce, mais récompensée à grand dans les cieux. Parce que le dans Matthieu chapitre 5, verset 10, là, bénédiction pour ceux-là qui persécutent pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Donc, ça dit que c'est ça que, ou même chrétien, ou doit connaître, ou doit accepter souffrir pour le Seigneur, mais comme si souffrance était douce. Et pour nous terminer avec le premier point, il dit comme ça que il est de loin préférable de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Lui préféra pour vous, pour faire le bien, tant vous faire le mal. Parce que les gens verront qu'il y a quelque chose d'authentique dans la loi de Christ. Et peut-être arriveront eux-mêmes à croire en lui. C'est-à-dire que leur fait bien, ou pratiquer la justice, ou une persécution, mais debout était ferme et inébranlable. Il y a un pile de monde qui pour païen, qui pour gagner Christ dans la vie. Lorsque vous remarquez ça, vous va suivre vous parce que vous êtes un monde qui a aimé la foi et récompense vous à prendre. Parce que vous avez un pile de monde qui est capable vraiment faire accepter Christ par rapport au comportement, par rapport à la façon de parler, façon habillé, façon que ou réagit dans ces circonstances. Et c'est là que nous avons fini avec le premier point. Bah, on s'est dit question, n'a pas une question. Ok, si pas une question, on prend le deuxième point. Hein? Souffrir au nom de Christ. Souffrir au nom de Christ. À cause du nom de Jésus-Christ, là, m'accepter pour me souffrir. Souffrir, c'est pas douce. Nous expliquons que Étienne de la pide Étienne à cause de Christ. Jean, il prend l'huile, il bouille l'huile là, il l'a gagné sous lui à cause de Christ. Paul, qui était soldat Tasse, lui prend prison. Ils ont maltraité lui. Ils ont humilié lui à cause de Christ. Et tout en pile l'autre serviteur de Christ, ils ont vraiment joué en pile persécution. Si matin, moi, m'avoir, nous avons une église bien à l'aise, nous prenons la Bible, nous portons dans nous, bien à l'aise, nous avons une persécution, nous disons merci, c'est Seigneur. Parce que l'évangile, ça nous rien. C'est un pile serviteur de Dieu qui t'a accepté souffrir en pile pour nous vraiment bénéficier de l'évangile ça. L'évangile de grâce ça, que nous vivons aujourd'hui. Et malgré ça, aujourd'hui, si vous acceptez Christ, ou dans la caille, maman ou papa acceptez Christ, le plus souvent, vous méprisez. Parce que vous acceptez Christ. Mais Christ dit que y a un pile bénédiction pour ceux-là qui accepté, qui était maman. Papa, tout ça le possédé à cause de moi-même, récompensé en pile sous terre, dans le ciel-là. Donc, nous regardons dans le premier paragraphe, là, dans le 36, là, dans le deuxième point, il dit bien que la souffrance, yo, yo pas parce que, yo pas, bien que la souffrance, yo, yo pas une valeur, lorsque les chrétiens a souffert pour, parce qu'elle fait bien. Mais Dieu, bon Dieu, capable vraiment tirer bien ça pour accomplir propre décennie. Les croyants en Christ, ils sont capables d'apporter la gloire de Dieu par la souffrance. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez de souffrir, vous attirez la gloire de Dieu sur vous-même. Tout en servant les témoins pour Christ, et en grandissant dans la foi, au lieu de considérer l'hostilité des païens envers les disciples de Christ comme étranges. Vous êtes capable vraiment considérer comme étrange lorsque vous avez souffert pour un bagage qui bien que vous faites. Vous avez fait bien, mais vous voyez que c'est comme si vous avez fait mal. Vous considérez que vous avez fait mal, mais vous avez souffert pour ça. Mais puisque on souffre pour lui, mais acceptez-le comme si vous étiez douce. Mais lorsque vous souffrez pour Christ, vous ne pouvez pas souffrir parce que vous êtes meurtrier. Et ça, nous dans verset 15. Non, 1 Pierre chapitre 4, verset 15. Il nous dit que l'un de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur.
et comme Saint-Gérant dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire que l'homme entre dans l'affaire moun, vous fouillez bouche dans l'affaire moun, vous avez souffri. Donc, ça dit que, et pas pour bagaille ça, vous avez souffri. Mais c'est à cause de Christ, parce que vous pouvez mettre en valeur l'évangile de Christ là. Donc, vous avez souffri. Donc, ça dit que, laisse ça, ou bien souffri, parce que Christ a vraiment récompensé vous. Récompense là, c'est la vie éternelle. Donc ça dit que, combien de nous-mêmes, qui là, ou bien qui tendez, qui souffrit, parce que là c'était Jésus dans la ville. Et Zamou te gagné avant yo, yo humilié ou, yo rejeté ou, à cause de Christ. Si ou est que même Zamou te gagné yo, ou toujours gagné yo, qu'on ne peut jamais accepter Jésus dans la vie. Parce que vous trouvez où dans la même conversation avec vous. Lorsque vous avez fait dialogue, vous entrez là-dedans, ça ne va pas être en rien. Parce que vous n'avez pas un monde qui naît de nouveau. Si vous êtes un monde qui naît de nouveau, vous n'avez pas attendu de votre bagaille. Dieu n'a pas qu'à ouvrir de votre bagaille. Pied n'a pas qu'à aller de votre corps. Mais ça n'a pas qu'à toucher les potes bas. Bagay. Parce que vous êtes un homme béni dans le Seigneur. Vous êtes un monde qui a capté une récompense. Récompense, ça, c'est la vie éternelle. Et il faut qu'on ait que le jugement divin vient à tout le monde. Ça dit que quel que soit le monde qui est croyant en Christ et qui est païen, jugement a vint nous quand même. Et ça fait lourd ça que la prend brebio, la météo à droite. La prend boukio, la météo à gauche. Et nous regardons dans Matthieu chapitre 25, verset 33, il va expliquer de ça. Donc ça veut dire que, mais heureusement pour moi, lorsqu'elle mettait à droite, la dit moi, entrez de la joie de Dieu. Donc ça dit que venez bien aimé entrer dans la joie de Dieu. Mais ça le mettait à gauche, l'a dit yo, moi pas jamais connais où mettez nous dehors chien. Imaginez l'on dit au monde chien, c'est un bagage qui mal, c'est un bagage qui sale. Donc ça dit que mon nom méprisé ou. C'est la Bible qui dit lui. Donc ça dit que la dou méthode yo, m'pas jamais connait ou. Mais ou même qui est à droite là, la dou entrer dans la joie de ton père. Ça dit que c'est bénéfice ça même avec vous dans jugement ça, jugement a pour tout, mais il pas même bien pour tout le monde. Moi-même l'aime dans vie dans jugement, m'a venir dans jugement avec quelqu'un. Quel gros temps, avec la joie au cœur, et résultat, c'est la vie éternelle pour moi. Pierre dit que le jugement commence dans la maison de Dieu, avec ceux qui sont fidèles, hein? Ceux qui sont fidèles, disciples, comme un feu purificateur. Hein? Le jugement de Dieu pour les croyants brûle les choses dans la vie qui reflète par l'image de Dieu en Christ. Et que si mon Dieu lit à bon la justice, tout bagaille qui mal yo, lit déjà effacé pour moi déjà. Automatiquement, quand tu as accepté Jésus, lit était dans retirer toute condamnation qui était pour moi, lit retirer yo parce que lui t'a accepté souffrir. Yo maltraité l. Yo bal vinaigre boue. À cause des péchés moi. À cause des péchés ou. Donc ça veut dire que d'être nous yo payé déjà. Si d'être nous yo payé déjà, donc ça veut dire que moi gagne en pile avantage pour moi rester connecté avec bon le Seigneur. Lui continue pour nous ça que le jugement des incroyants est la mort. Hein?
Si la quitte le mettre à gauche, c'est la mort éternelle. Ne les laissant rien à espérer dans le futur. Donc, les croyants qui souffrent maintenant ont un avenir avec Christ, tandis que les païens n'ont ni leur vie actuelle à jouir, ni la vie à venir à. Hein? Ça veut dire que moi-même avec vous, nous gagnons notre vie qui est réservée pour nous, qui est la vie éternelle. Donc c'est là que nous laissons, nous finissons avec le deuxième point de son. Je vais passer avec le monde si vous avez une question toujours. Bon, nous avons privé dans le troisième point de son. Hein? Humilité et la fermeté. Nous venons dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 11. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 11. Là, nous parlons de humilité. Si on veut être chrétien, si on veut être servir, bon Dieu, si on rend compte que vous n'avez pas gagné humilité la caillou, vous n'êtes jamais chrétien du tout. Chrétien, c'est un monde qui aime. C'est un monde qui est tempérant. C'est un monde qui est docile. À cause de l'évent, si autrefois, lorsque vous parlez avec vous, vous êtes crasé, brisé, vous êtes gagné une réponse pour Bali, hein? Mais maintenant, automatiquement que vous venez accepter Christ, vous venez là, vous venez changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Où sont l'autre monde? Vous nous étiez avant. Ou changer. Quand c'est l'appel lancé à ces dirigeants de l'église, Pierre l'y encourage en tant que frère et serviteur de la souffrance. Ça veut dire que chrétien, c'est un monde qui prêt pour souffrir. De la souffrance de Christ. Il précise le bien. La souffrance de Christ. Et bénéficiaire de la gloire future. Christ l'était vraiment ressuscité avec un corps glorieux. Donc, ça dit que même corps glorieux, ça m'a bénéficié tout. Yon gloire en gloire qui future, qui semblait avec gloire Jésus-Christ là. Corps glorieux que Christ a gagné, c'est même corps ça, moi-même, m'a gagné tout. Qui a servi ceux qui sont confiés avec grand soin. Un tel soin implique le fait que. Un tel soin implique le fait que de leur donner un bon exemple. Avec soin, à suivre, avec fidélité, en affichant un cœur disposé à servir un esprit d'humilité. Le Seigneur, lui a une récompense pour cela qui fit fidèle dans le témoignage et dans le service. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, les nous ont seul bagaille que le Seigneur mandé avec dispensateur. C'est pour nous filles fidèles. Il ne va pas demander à quel rien, les besoins filles fidèles. Si vous êtes fidèles, le Seigneur a fort entré dans le royaume. Si vous êtes fidèles dans le service, maintenant, je connais mon gain pour me faire école le dimanche. Ce n'est pas pendant que je gagne pour me faire école le dimanche. Je vais lever le dimanche là tout. Je vais aller le relais, l'autre bien aimé ou bien pasteur. Je vais aller le relais. Je dis pasteur, ah, je ne vais pas venir le matin. Je vais faire l'autre bagaille. Mais pasteur, pas bien. Dans l'optique pour le développement, je vais faire école le dimanche. Et pendant que
c'est Oliana Vini, vient assister l'école du dimanche. Pendant que c'est Aline Vini, assister l'école du dimanche. Pendant que c'est Gabriel Vini, vient assister l'école du dimanche. L'autre bien-aimé vient assister l'école du dimanche. Ou bien, si là, qui n'a pas ouvert conférence, il a clenché pour vraiment suivre l'école du dimanche. Et c'est laissé, pasteur, tu as on le bail, tu as fait. Les en état, les pas qu'à venir. Laissé, moi, quitter Napsou, Napsou souffri. Moi, laissé Napsou souffri. Matin, pasteur, tu as pour le prêcher. Au lieu que l'elle vini pour le prêcher, mais il choisit pour aller occuper l'autre bagaille. Mais il y a un peuple qui vient, qui a besoin d'un homme qui vient nourrir de la parole de Dieu. Il y a un monde qui pendant ces maintenant, lui fait des rencontres, yo, pas bénéfique pour eux. Mais rencontres, yo, c'est pour tes tristesses, c'est pour tes mélancolies, c'est pour tes déceptions pour eux. Mais, le matin, ils connaissent qu'il y a vini, il y a une parole qui vient. Le conforter yo, yo pas une parole ça. Et ça fait que loin que le serviteur a une récompense pour ceux qui sont fidèles dans leur témoignage et leur service. Récompense qui leur est réservée par le chef berger lui-même. On nous regarde dans 1 Pierre chapitre 5. Verset 4. Et Pierre, chapitre 5, verset 4, qu'est-ce que ça dit où? Il dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendra la couronne incorruptible de la gloire. Ça veut dire que lorsque tu as fait travail ou bien, ou tu es toujours fidèle avec Brebiro, donc ça veut dire que vous avez une récompense captant nous. Et récompense ça, donc c'est une couronne incorruptible qui est réservée pour même. Il dit que dans le deuxième paragraphe là, après s'être adressé spécifiquement au leadership, après au final adressé avec le leadership, si là qui a une responsabilité, soit pasteur, soit diacre, soit moniteur école dimanche, ou même qui président groupe, président d'âme, etc., etc. Parce que vous avez un travail que vous fait, vous avez un ministère qui n'a même pour responsable. Pierre conclut sa lettre avec des instructions pour tout le corps de l'Église. C'est-à-dire que toute l'Église a besoin pour fidèle devant le Seigneur. Ou besoin pour rester dans l'humilité devant le Seigneur. Parce que, à propos de la façon de gérer les batailles futures, parce que, ou gon bataille, ou à lutter contre la chair ailée et le sang, contre les esprits malins. Donc, ça veut dire que, ou gon bataille qu'on fait tout le temps. Et bataille sont faites, il y a des gens qui dans le monde qui suivent vous. Si vous faillez dans la bataille, vous pouvez empêcher un pile de monde d'accepter le Seigneur dans la vie. Mais si vous êtes des gens qui ont succès dans la bataille, eh bien, vous pouvez mener un pile de monde à la conversion. Il dit ça que pendant que les conditions continuent à détérioré pour eux, il commence en les exhortant l'Église à avoir la bonne perspective à propos de la façon dont ils traitent les uns les autres. C'est-à-dire que vous devez traiter tout le monde bien, avec bienveillance. Donc, c'est-à-dire que avec humilité, la pratique d'humilité les uns envers les autres, c'est une obligation pour les églises puissent persévérer dans la période de persécution. Lorsque moi j'ai un frère avec un soeur, moi trouvé moi
en face avec lui, pour moi, servir avec humilité. Parce que les persécutions ont venu, nous avons résisté dans la persécution. Lorsque l'humilité est pratiquée dans l'Église, il y a une soumission mutuelle. M'a respecté ou a respecté, n'a respecté l'un à l'autre. Et dans la communauté, pas nous, lorsque le monde a pour que qui gens nous yon comporte nous avec l'autre, eh bien, il dit, moun sa yo, yo gen yon instruction, yo gen éducation, yo bay ti moun la kayo. Donc, moi ta remè pa m'en lever comme ça tout. Si m'ta remè pa m'en lever comme ça tout, donc ça dit que, faut mal suivre moun sa yo, pour mal faire l'évangile même j'en avec yo. Donc, ça dit que, ou ren nous compte que, lorsque nous gen humilité la kayo nous pratiquons humilité, le respect mutuel, la soumission mutuelle, donc il fait que en pile monde vient une Christ. L'altruisme est la démonstration d'une vie semblable à Christ. Les croyants doivent s'humilier les uns les autres. Les croyants doivent s'humilier les uns les autres, mais aussi et surtout devant Dieu. Donc ça dit que je dois humilier devant quel que soit le monde dans le terrain. Et je dois humilier tout devant la parole de Dieu. Pour me respect pour mon Dieu. Et le nouveau parler de l'Aléa, dans le premier point, la révérence de Christ, nous te dit révérence de Christ là, c'est lorsque vous avez respect ou vous avez la crainte pour Dieu. Donc c'est ça qui est important. Et dans le deuxième paragraphe là, dans la leçon 3, il dit non seulement croyant, yo doit être humble, mais pour supporter persécution, mais yo doit également conscient des projets de ennemi yo. Si chrétien yo résisté devant ennemi yo, et le Seigneur la promet yo pour lui calmer leur stabilité, pour le renforcer détermination yo, malgré souffrance qui rejoignent yo enduré et yo capable la foi. Foi ou c'est bagaille qui plus important pour chrétien. La foi chrétienne c'est bagaille qui plus important pour nous-mêmes. Si ou conservez foi ou remet tout à bon Dieu ou soumet tout à bon Dieu, eh bien récompense ou en pile devant le Seigneur. Que bon Dieu nous. C'est là nous finis avec toi point yo. Nous pas connait si gien question. Nous classe là son classe qui paresseux qui pas gien question ni poser. Et m'a posé trois questions. Nous t'ai parlé de l'église Asie mineure. Qui monde qui capable citer pour moi trois noms dans l'église dans cette église Asie mineure yo? Nous t'a même gien trois noms. L'église fait la fille à la fille. Hébreu. Après. Il fait. Ok. Vous avez une pour moi, c'est Guylaine. Ok. Deuxième question. Nous gagnons. Deuxième pré-leçon. Hein? Non. Premier pré-leçon. Hein? Il doit défendre la parole. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 13 à 17. Et nous gagnons dans Actes, chapitre 4, verset 18 à 20. Et qui est-ce qui a expliqué moi comment défendre la parole de Dieu? Comment défendre, qui j'ai encore défendre la parole de Dieu? Qui j'ai un monde qui a défendre la parole de Dieu? Ok. Nous te fait une belle réalité à l'air. Nous te prenons exemple
y a un monde qui a accepté Christ dans la ville. Ou la caille maman ou papa ou. Ou pas vle ou accepter Christ. Mais est-ce que vous obéi avec maman ou papa ou? Ou bien vous obéi avec Christ? Donc ça dit que Jésus-Christ dit que même si maman ou papa ou li abandonné ou, mais c'est après c'est. Nous avons Pierre et on monte dans la persécution. Nous avons Étienne qui est arrivé à mourir. Lorsque Étienne a mouru, il dit Seigneur, pardonnez-vous. Parce que pas connaît. Non, pardonnez-vous. Même bien avec Jésus-Christ. Mais en même temps, dans le ciel, il a dit Étienne, viens, non, Étienne, viens, non, Étienne. Pour recevoir. Elle dit que, et nous te disons, Jean, d'y arriver à cause de l'évangile, il a bouilli l'huile, il a vidé sous lit. À cause de l'évangile. Ça veut dire que, il y a un pile disciples, un pile apôtres, il a passé dans un moment difficile, il a passé très dur. Mais on sait le bagaille, récompense, dans celle-là, les grandes pour yo. Il y a moun, par exemple, si vous êtes dans un défaut, autrefois, mais quand vous êtes là, vous venez changer, vous acceptez Christ. Donc, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous avez un évangile, il n'y a pas un tel qui était adultère, et pas un tel qui était volé, et pas un tel qui était bandit. Donc ça veut dire que, mais on sait le bagage qui est pas qu'on est, ou changer. Mais on continue à dire toutes sortes de bagages qui mal. Mais on est en ranger gros avec bon Dieu. Donc ça veut dire que, récompense ou à grand en pile dans celle-là. Ou c'est au monde qui défend l'évangile. Bon, on se comprend. Pasteur Baron, vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est que vous êtes un monde qui défend l'évangile. Vous défendez l'évangile, quelque chose de circonstance là, vous voulez rester ferme, inébranlable, dans le laisser. Même si vous avez mis un billet ou, même si vous avez mis abandonné, même si vous avez perdu toute famille, vous mis, mais vous êtes avec le Seigneur parce que dans cette salle-là, vous n'avez pas de monde qui connaît. Pas de monde qui est dans cette salle-là. Mais le Seigneur, pour moi, toute famille, ça y est. Toutes amies, ça y est. Moi, je viens de laisser. Mais si vous connaissez, tant que serviteur qui a un problème, ça a peine en pile parce que moi, c'est frère ou dans le Seigneur. Moi, c'est bien-aimé ou dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que, donc, même si que nous arrivons à souffrir, à cause de l'évangile là, accepter souffrance là, comme si l'était douce. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous, dans la dixième leçon, nous avons été